Si est-il l'énigme de ce début de semaine, mais où est le petit Émile, 2 ans et demi, qui a soudain disparu du jardin de ses grands-parents ce samedi après-midi? Échappant à leur surveillance, le garçonnet est depuis recherché dans tout le village du Haut-Vernay sans succès. Ce mardi, après 2 jours de fouilles, si est-il sa mère qui était attendue à la gendarmerie pour un témoignage. Mais qu'a-t-il bien pu arriver au petit Émile, disparu désormais depuis près de 3 jours? Le petit garçon, qui n'a que 2 ans et demi, s'est volatilisé, échappant un instant à la surveillance de ses grands-parents alors qu'il se trouvait dans leur village du Vernay, Alpes de Haute-Provence, samedi 8 juillet. L'émotion est vive depuis alors que les recherches sont acharnées du côté des enquêteurs. Et après de nombreuses heures de fouilles qui ont nécessité la présence de centaines de gendarmes et de bénévoles, les forces de l'ordre sont passées à une autre méthode. Ce mardi, les responsables de l'enquête auraient en effet entendu la maman du petit garçon selon la Provence. Celle-ci avait, ces derniers jours, poussé un cri du cœur avec un message vocal déchirant, diffusé dans les haut-parleurs et dans lequel elle exhortait son fils à sortir d'une éventuelle cachette. Peut-être souhaitait-il l'entendre à propos d'un message diffusé sur Facebook, comme le rapportent nos confrères de la Dépêche, qui faisait référence à une apparition mystique dans la montagne et qui lui serait attribuée. En tout cas, la jeune femme, fervente croyante comme son mari, n'est-ce pas la seule à avoir été entendue, dans un village entièrement bouclé pour les recherches? La section de recherche de la gendarmerie de Marseille a auditionné plusieurs personnes et ratissé les maisons à la recherche de preuves. Une piste privilégiée. Il faut dire que ce mardi 11 juillet, Europe a annoncé qu'une piste a bien été privilégiée, celle d'un accident suivi de la dissimulation du corps du petit Émile. Mais elle n'est pas la seule puisque comme le rappelle BFM TV, le drame familial n'est pas non plus à exclure tant que l'enquête est toujours en cours. Pour le moment, le parquet ne confirme aucune information, le procureur de la République continuant d'affirmer qu'il ne privilégie aucune thèse jusque-là. Les battus qui tentaient de retrouver Émile ont, pour le moment, toutes pris fin. En attendant de comprendre ce qui a bien pu se passer dans ce hameau perché sur un pic rocheux et composé d'à peine 25 maisons, les habitants continuent de trembler.